le système, la quatrième unité, il y a l'endocrino-génico. On va faire l'unité Hadi, trois chapitres. Donc le système endocrinien, c'est le premier. On va être l'appareil génital femelle. On continue par l'appareil génital mâle. D'accord. Au chaque chapitre, bien sûr, fait 4 à 5 cours. D'accord. Donc en principe, nous avons l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ou comme l'axe Toel, Redouan Inch'Allah, ma docteur Ben Hadid. Il nous deux heures de temps. D'accord. Et j'ai profité, je vous dis, de la séance, mais le biochimie. Parce qu'on n'a pas assez de séances, mais on a besoin le système endocrinien, ce qui concerne l'histo, le module d'histo. Donc, Gunna, ce qui concerne le système endocrinien, on a donc, on a qui dit glande endocrine, c'est-à-dire, on a fait déjà les glandes exocrines. Dans les glandes exocrines, qu'il y a une différence. C'est vrai, il y avait un parenchyme glandulaire, d'accord. Un parenchyme glandulaire, le parenchyme, là, ça diffère. Est-ce que c'est un parenchyme glandulaire exocrine ou là endocrine ou là les mêmes fonctions en même temps qui m'a le cas le pancréas, d'accord. Bon, j'allais dire donc en principe nous devons l'axe hypothalamo hypophysaire ou n'importe, d'accord. Parce que là qu'il y a des glandes endocrines responsables le fonctionnement de tout le corps, d'accord. Donc le cerveau, عندنا la glande, عندنا l'hypothalamus ou عندنا l'hypophyse. Alors, sont deux glandes principales. هذا un petit résumé de ce qui concerne le système digestif. Donc عندنا l'hypophyse ou l'hypothalamus, قلنا هما les deux glandes principales qui vont produire donc une substance, هذه la substance elle s'appelle hormone. Tout ce qui est glande endocrine, donc elle va produire une substance. La substance est dit elle a une hormone, contrairement à la glande exocrine. Exocrine, c'est un niche, les glandes ils vont produire donc des substances. Et des substances, c'est tout ça dépend. Il y a des enzymes, il y a des substances qui mal la salive, ainsi de suite. Les glandes endocrines, elles ont donc un caractère commun. Ils vont produire donc une substance. Et la substance, c'est une c'est l'hormone. Hormone, c'est une hormone. Ou cette hormone, elle a une condition. La condition qui t'fersera la glande endocrine, elle doit, c'est une condition, elle doit la déverser dans le sang. Très bien, dans le sang. Cette hormone, elle va cheminer dans le sang pour atteindre des récepteurs spécifiques. Par exemple, la glande hypophyse, elle va demain, vous allez avoir le corps avec Dr. Ben Hadid, elle a plusieurs types de cellules et plusieurs types de hormones. Par exemple, il connaît l'hormone qui est sécrétée, la CTH. Par exemple, il y a la CTH parce que le cortisol, la CTH, c'est une hormone sécrétée par l'hypophyse. L'hypophyse, elle va la déverser dans le sang. Cette hormone, elle a des récepteurs uniquement au niveau de la glande surrénale. Maintenant, je vais utiliser sur la thyroïde parce que la thyroïde, elle a la TSH. Elle va sécréter la TSH, l'hypophyse. Ou l'hypophyse, c'est l'hormone qui va donc cheminer dans le sang, transporté par le sang, il va la thyroïde, mais il va la glande surrénale, ainsi de suite. Vous devez trouver plusieurs hormones, elle est destinée pour un organe bien précis. D'accord. Donc maintenant, j'ai profité de l'occasion pour prendre la séance et entamer la glande surrénale. La glande surrénale, elle doit fonctionner, qui gère l'ordre de l'hypophyse. D'accord. Qui a un manque plein des hormones, je vous les hormones. Cette glande, c'est une glande indispensable à la vie parce qu'elle va sécréter plusieurs types d'hormones. Donc, je vous fais un petit rappel sur l'histophysio. Ces hormones, ils vont agir bien sûr sur le métabolisme toujours, que ce soit glucidique, lipidique, protéique, les vitamines, ainsi de suite. D'accord. Donc, on va entamer notre cours. Il y a la glande, on a deux glandes, bien sûr. Deux glandes, il y a la surrénale. Donc, comme j'ai mis l'introduction, les deux glandes. Pourquoi il passe? J'ai pas passé le. Bon, l'introduction, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, il y en a deux glandes, bien sûr. L'une droite ou l'autre gauche. D'accord? Donc, on a ces deux organes anatomiquement bien individualisés. Les angles bien individualisés parce qu'ils sont entourés par une capsule. La localisation bien propre, d'accord.
Donc, ils sont bien individualisés. Le siège, c'est le pôle, comme vous voyez. On a donc les deux reins, donc le marron. Au-dessus, les deux reins orangés, et donc les deux surrénales. D'accord ? Donc, c'est un organe proprement dit. Andou sa vascularisation, lymphatique, veineuse, artérielle, ainsi de suite. D'accord ? On a donc deux surrénales, l'une droite, l'autre gauche. Donc à peu près, c'est juste pour le poids, elle pèse environ 12 grammes. Pour les mesures en généralité, on a donc à peu près 30 mm de long sur 2 mm de large et 7 mm d'épaisseur. D'accord ? Elle est dans la majorité des individus. Elles sont formées de deux glandes endocrines. Maintenant, la glande elle-même surrénale, elle est formée par deux glandes. Donc, par deux glandes endocrines. Nous avons dit glandes amphicrines parce que les deux glandes, que ce soit la cortico-surrénale ou la médulo-surrénale, les deux sont endocrines. Très bien. Donc, on a deux glandes endocrines distinctes, mais l'origine embryologique est différente. Donc, on dirait un petit rappel sur l'embryologie. Les premières cellules qui donnent par la suite la cortico-surrénale, les mêmes qui donnent la médulo-surrénale. D'accord ? Donc, vous voyez, voilà. Donc, ce qui concerne maintenant le développement embryologique. J'ai déjà dit qu'on a une origine embryologique double. D'accord ? Donc, la glande surrénale se forme à partir de deux ébauches. Toujours qui dit ébauche, c'est-à-dire les premières cellules, d'accord, qui vont donner par la suite la glande définitive. Donc, on dit l'ébauche, une ébauche mésoblastique. Les cellules, les premières cellules qui viennent du mésoblaste, ils vont donner par la fin le cortex surrénal ou bien la cortico-surrénale. Et deuxième ébauche, Zidjini, deuxième ébauche, c'est le feuillet ectopique, d'accord. On a toujours, il y aura trois feuillets. L'ecto, le méso, l'onto, d'accord. Donc, le deuxième ébauche ectoblastique, où elle est responsable, il met à la fin la médullaire, d'accord. Donc, la glande surrénale, elle est formée par deux glandes endocrines d'origine embryologique distincte, d'accord. Maintenant, ce qui concerne l'embryologie, à peu près au cours de la cinquième semaine, d'accord, la cinquième semaine, il met le développement. C'est le début, le développement de la glande. Le début donc, du développement apparaît par la suite par la prolifération des cellules mésothéliales du mésoblaste. Les premières cellules, les cellules mésothéliales, à partir du feuillet mésoblastique, donc du mésoblaste cilomique postérieur, qui m'a fait la dernière fois, flurinaire, où je connais. Très bien, déjà, le mésoblaste, c'est un feuillet, ça y est, plusieurs segments. D'accord. Donc, la partie à la glande surrénale, il dit les premières cellules, il dit le mésoblaste cellomique postérieur et en dedans des ébauches gonadiques. Déjà, le mésoblaste cellomique, alors en dedans, il déchire en même temps, il y a ça. Donc, l'évolution, c'est les gonades, les kinalium la dernière fois. D'accord ? Les ébauches gonadiques, le module, l'appareil génital. D'accord ? Donc, elles se différencient en grands éléments acidophiles qui vont former le cortex fœtal. Les cellules mésothéliales, les premières cellules, les connaissons à la nature acidophile, vont se différencier. Qui dit différencier, c'est-à-dire qu'elles ont plusieurs étapes. D'accord ? Oui, qu'on a pour former le cortex fœtal. Soit on dit le cortex fœtal ou là le cortex primitif. Qui dit cortex, c'est-à-dire la cortico-surrénale. D'accord ? Soit je dis cortex ou là la cortico-surrénale, c'est la même chose. Donc au début, on a la cortico-surrénale fœtale ou bien le cortex fœtal ou primitif. D'accord ? De la glande surrénale, bien sûr. Mais dites, qu'est-ce qu'on va y avoir ? Une seconde vague, dit Ginny, une seconde vague, toujours sur les cellules mésothéliales. Elle dit que la première vague, le cortex primitif, d'accord. En plus, dit Ginny, une seconde vague, toujours sur les cellules mésothéliales, c'est-à-dire sur les cellules du mésoblaste, d'accord.
pénètre dans le mésenchyme et entoure l'amas primitif. Encore, elle pénètre dans l'amas premier, le premier amas, qui est le cortex fœtal. D'accord ? Les cellules, comme on a dit, c'est des cellules acidophiles. Ces cellules, au contraire, les cellules hadodorques, elles sont plus petites, d'accord ? Par rapport à la vague loula, d'accord ? Elles sont plus petites que celles... Oui ? Acidophile, c'est vis-à-vis la production des hormones. D'accord ? C'est pour cela qu'on a dit acidophile. Vous allez comprendre. D'accord ? Donc, il faut chaque cellule à part, chaque cortex a une couche spécifique pour la sécrétion d'une hormone bien précise. D'accord ? Donc, en plus, il y aura un ajout les cellules acidophiles. Une deuxième vague, je vous montre le schéma pour avoir une deuxième explication. Donc, une autre vague, elle va pénétrer la première vague, c'est les cellules, maintenant, pour former le cortex définitif de la glande. D'accord ? Donc, la glande surrénale, ou le cortex, la cortico-surrénale, donc le développement de à peu près à partir de la cinquième semaine, je vous montre le schéma. Donc, je vous la partie basse, d'accord ? Je vous la partie haute. La partie basse, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, pardon. Voilà, ici. Hein. Ici, hein, tout ce qui est en rouge, c'est le mésoblaste, d'accord ? Donc, c'est le futur. C'est les époches loulines qui vont donner le cortex primitif, le cortex définitif, d'accord ? On a dit en même temps, l'ébauche de la surrénale, il est en dedans de l'ébauche, il va mettre les gonades par la suite. Les gonades, les vomas, soit s'il s'agit du sexe masculin, c'est les testicules pour le bébé, soit il s'agit du féminin, donc c'est les ovaires. D'accord ? Donc ici, en dedans de l'ébauche, de les gonades, se forme donc l'ébauche, donc de le cortex primitif, de la surrénale. Le cortex primitif, il y aura la première vague, c'est les cellules acidophiles, les gestes, les mésoblastes cilomiques postérieurs. On va dire qu'il y aura une deuxième vague, donc elle va pénétrer dans la première vague pour terminer la formation de la cortico-surrénale. D'accord ? On a terminé par ça. C'est la première origine, on a mis le mésoblaste. Deuxième origine, la surrénale, la surrénale elle est formée par deux glandes endocrines. D'accord ? Donc, le deuxième origine, c'est la médulaire, mini-génie. Donc, pendant que se forme donc, le cortex fœtal, il y a en même temps qu'il a la formation de la cortico-surrénale, j'ai des cellules donc, provenant maintenant des crêtes neurales. Je sais que les crêtes neurales, l'origine, c'est l'ectoblaste. D'accord ? Donc, va migrer un ensemble de cellules, d'accord ? En envahissant la face médiane, c'est le cortex fœtal. Donc, les cellules de la crête neurale vont envahir le cortex fœtal, qui est la cortico-surrénale définitive, la face médiane. Parce que la glande surrénale, la périphérie, c'est le cortex, la cortico-surrénale, ou le centre, c'est la médulo-surrénale. D'accord ? Donc, les cellules de la crête neurale, ils vont envahir avec le cortex fœtal, la face médiale donc, du cortex fœtal, et viennent donc se ranger en cordon et en amas cellulaires. La forme de Hamdkoun en cordon et en amas, d'accord ? Ces cellules qui donnent naissance à la médulaire de la glande surrénale, d'accord ? Qu'on les appelle les cellules chromaffines. Donc, je vous parle les chromaffines, on va y avoir des techniques histologiques pour mettre en évidence les cellules. Est-ce qu'ils répondent à chromaffine ou non ? D'accord ? C'est compris. Donc, je vous montre le schéma. Les cellules, la médulaire, les crêtes neurales, l'origine, c'est ectoblastique, qui joue le feuillet ectoblastique. Donc, les crêtes neurales vont donc migrer donc un nombre illimité de les cellules, bien sûr à droite et à gauche, parce qu'on a deux glandes surrénales. Ils vont envahir le cortex fœtal, il est en rouge. Donc, les cellules, c'est les futures, c'est les cellules chromaffines qui vont donner par la suite la médulo-surrénale.
C'est clair. Ils vont donc entrer par la face médiale pour occuper le centre de la glande, où c'est comme ça, ça forme donc la glande surrénale. C'est sur le côté embryologie. Alors, donc, on a donc le cortex, la cortico-surrénale et la médulo-surrénale. On a deux feuillets différents, l'ecto et le mésoblaste. D'accord. Maintenant, je vais entamer mon cours sur le plan histologique. D'habitude, j'ai fait la structure histologique. Maintenant, j'ai fait exprès la structure histocytologique. Parce que le parenchyme de la glande surrénale, on va y avoir beaucoup de types de cellules. Donc, tu vois, on a beaucoup de types de cellules. C'est pour cela qu'on a l'intérêt de faire l'histo, donc les plans, les couches de la glande surrénale, et en même temps, l'étude sur les différents types de cellules. D'accord ? Donc, on va débuter par la cortico-surrénale, Zora comme glande wahedra. Au deuxième, c'est la médulo-surrénale. Ce qui concerne donc la cortico-surrénale, parce que le cortex, qui dit cortex toujours, il occupe la partie périphérique, d'accord ? Ou qui dit toujours la médula, c'est la partie centrale. Ok. Donc, pour la cortico-surrénale, on va y avoir une charpente conjonctive. Et la charpente conjonctive, elle va rassembler tout ce qui est tissu conjonctif, d'accord ? Elle est d'origine de nature conjonctive, donc on va la charpente conjonctive, qui dit, parce que toujours, les étudiants, ils se confondent entre charpente et capsule. D'accord ? La capsule, la capsule, elle est qui va envelopper la totalité de l'organe. Mais qui dit charpente conjonctive, c'est-à-dire une substance conjonctive qui va entrer dans la constitution de la glande ou de l'organe. D'accord ? Donc, la charpente conjonctive, je vous trois points importants. Je vous la capsule. Je trouve les travées incomplètes ou je trouve un stroma. D'accord ? Ce qui concerne la capsule d'enveloppe, elle est la première des choses. Elle est épaisse, mais donc tu dis d'où tu feras sur les lames, le TP, d'accord ? Tu oublies la capsule, la glande surrénale, elle est épaisse et elle est formée par plusieurs types de tissus conjonctifs. Elle est formée par les fibroblastes. En plus, on trouve donc les fibres de collagène. On trouve quelques fibres élastiques. Aussi, rares faisceaux musculaires lisses. On trouve aussi quelques cellules musculaires lisses aussi. D'accord ? Et en plus, on trouve les vaisseaux sanguins et les nerfs, bien sûr, qui vont assurer la vascularisation et l'innervation de la capsule. Donc, on va voir la vascularisation et l'innervation. Comment la vascularisation débute de la capsule. Elle va pénétrer jusqu'au parenchyme de la glande. Donc pour les travées sont des travées conjonctives, sont donc incomplètes, c'est-à-dire à partir de la face interne de la capsule, se détachent des travées. Les travées donc vont pénétrer le long du parenchyme de la glande. Ça fait les travées donc maintenant c'est la même longueur, d'accord? Un travée va de la face interne de la capsule, il passe la première couche. Un deuxième travée va atteindre la deuxième couche, l'autre un troisième, ainsi de suite. Alors, ils ont des travées incomplètes. Ou ces travées, le rôle de ces c'est quoi aussi, pardon? C'est très bien le cheminement des vaisseaux, d'accord? Au niveau desquels cheminent les vaisseaux et les nerfs, ainsi de suite. Le stroma, il est riche. Le stroma, c'est quoi? C'est tout ce qui se trouve entre les cellules, d'accord? Tout ce qui entre, Donc, le stroma, il est riche en fibres, surtout de réticuline, ainsi que des histiocytes, les romains, ils jouent un rôle de macrophage. Donc, les histiocytes ados, qui se trouvent au niveau de la glande surrénale, ont un rôle important pour l'immunité. D'accord ? S'il y a un corps étranger qui attaque avec la glande surrénale, donc ils vont le capturer et ils vont le dégrader. C'est clair ? Je passe maintenant le parenchyme glandulaire. Bon, le parenchyme glandulaire, avant d'entamer donc chaque partie à part, donc je vous montre un schéma global. Voilà. Donc le schéma global, en haut du schéma, il y a la glande surrénale. La glande surrénale, c'est vous voyez qu'il y a des deux zones, deux affinités de couleurs. Une foncée, c'est la cortico-surrénale, ou l'autre au centre clair, c'est la médulo-surrénale. D'accord ? Donc ici, où est la flèche ? Voilà. هذه هي لا غلاند سورينال تاعي كامل دونك عندي 3 كومبوزونت امبورطونت عندي لا كابسول كي اوكوب بيان سور لا بيريفيري عندي لو كورتيكس وعندي لا ميدولير سي جو برون انا هنا وندير اون كوب هيستولوجيك ici
Bien sûr, l'étude, c'est la même. Je vais trouver, c'est le même tissu qui va se répéter. À n'importe quoi au niveau de la surrénale. Nous allons faire un point où on va faire une coupe. Une coupe toute la surface de la surrénale. Donc, à partir de la coupe, on va voir toutes ces couches-là. D'accord ? En débutant par la capsule qui est la plus externe, la plus périphérique, où je vais faire la capsule. Elle contient un nombre important, les fibroblastes, les fibres de collagène, de réticule, ainsi de suite. Élastique, pardon, quelques cellules, voilà qui m'aident, les cellules musculaires lisses, c'est des cellules musculaires lisses, ainsi de suite. Ou pour mettre en évidence les fibres, chaque une a une coloration spécifique. Par exemple, on a voir, est-ce que la capsule a les fibres de collagène, il y a une coloration spécifique, je dois la rajouter sur la capsule, sur la coupe Hadi, pour voir est-ce que la capsule contient c'est du collagène ou non, ainsi de suite. Donc après, qu'est-ce que j'allais dire, voilà, à partir de la capsule Hadi se détache des travées, vous voyez les travées, d'accord, qui se trouvent entre les cellules, au niveau desquelles cheminent donc les vaisseaux. Ben je vois la vascularisation, elle va débuter au niveau de la capsule, ben elle entre. Maintenant, je reviens à deux glandes endocrines dans la même glande, d'accord. La première, c'est le cortex ou la cortico-surrénale. Hedi, déjà, la première, elle est divisée en trois couches, d'accord. Hedi, la couche loula, c'est la couche la plus superficielle. On met Gini, la couche moyenne. On met Gini, la couche profonde, d'accord. Donc, à chaque couche, elle a organisation spécifique sur les cellules, où chaque cellule, elle va très bien. Elle a une hormone bien spécifique qui va la sécréter et va la déverser dans le sang. D'accord ? Donc, en débutant par la première couche, la première couche, c'est la couche, la glomérulée. D'accord, c'est la première zone, ou bien la zone glomérulée. La deuxième couche, c'est la zone fasciculée. La troisième couche, c'est la couche réticulée. Comme vous voyez ici, la disposition de les cellules, elle n'est pas la même. Une couche, c'est la disposition de les cellules. Vous avez un avertissement. D'accord, une couche, ou la même zone, on va y avoir donc différence de disposition de les cellules, oui. Oui. Deuxième année. Essayez de trouver une chaise et vous m'installez ici. Donc, j'ai dit, donc chaque zone a une disposition spécifique pour les cellules, où chaque cellule, elle va sécréter donc un genre d'hormone bien précis. Kima Loula a dit, donc ils vont sécréter donc la cortico. Je mets le schéma à la fin pour le résumé, voilà, pour le cours, pour ne pas... Voilà, donc la première zone, donc, elle est responsable donc, de la sécrétion des glucocorticoïdes dans le chef... les minéraux, très bien, corticoïdes dans le chef du fil, c'est l'aldostérone. On voit le plus fréquent l'organisme, d'accord, où il a un rôle très important, surtout la, la régulation de la tension artérielle. Parce qu'on a un problème de la tension artérielle, donc il sera donc un stimulus à l'hypophyse. L'hypophyse, je vais dire, la sécrétion de la CTH. La CTH, elle va donc sensibiliser la première zone qui va produire beaucoup d'aldostérone pour équilibrer avec la tension artérielle. D'accord. Pour la deuxième zone, il y a la zone fasciculée, donc les glucocorticoïdes, dont le chef du fil, c'est le cortisol. Oui. Ou la troisième, elle est spécifique pour la sécrétion, les hormones stéroïdiennes, les androgènes. D'accord. Maintenant, on revient et voilà la médullaire. On termine par la glande la plus profonde, il y a la médulo-surrénale. Maintenant, ce qui concerne la disposition des cellules, si je prends la première couche, il y a la zone glomérulée, donc on distingue trois couches étagées.
la première couche qui est juste, donc qui est sous-capsulaire, donc c'est la zone glomérulée. Elle est peu épaisse par rapport à la deuxième, qui est très épaisse. Donc elle est, c'est des caractéristiques à la zone. Donc elle est peu épaisse. Les cellules glandulaires se regroupent en amas cellulaires. C'est le regroupement des cellules dans la première couche. D'accord ? C'est les amas, c'est l'amas, les cellules plus ou moins arrondies. Ça a arrondi, ça a d'accord. Plus ou moins arrondies, séparées par des travées conjonctives. Les kinali humgubila, gunajiuni se détachent de la capsule. D'accord ? Toujours et entrent dans le parenchyme pour diviser donc, le regroupement cellulaire. C'est clair ? Donc la première couche, elle est sous-capsulaire. Donc, elle est faite par des cellules glandulaires qui se groupent en amas, avec les amas plus ou moins arrondis et séparés par des fibres ou là, des travées conjonctives. Voilà le schéma. J'ai bien séparé chaque couche à part. Donc, vous voulez que je mette deux tenues dans le cours ou là, non ? Ou là, avec qui fait ? Donc, j'ai mis dans le cours un seul schéma, là, avec le résumé. Ou j'ai dans chaque partie un schéma à part. Si vous voulez mettre encore Hadou, vous pouvez les rajouter les schémas. Sinon, si vous avez compris, pas la peine de mettre beaucoup de schémas, d'accord? Donc, ici c'est la capsule. On a la capsule qui est très épaisse, d'accord? Puis on a juste sous la capsule, on dit la zone glomérulée. Hi la zone glomérulée, t'as vu? Le nombre de les cellules. À chaque fois, vous trouvez le point Hadou, le noyau de chaque cellule, d'accord? Le cytoplasme, il n'est pas coloré par la coloration HE. Donc là, chaque point rose représente un noyau de chaque cellule. Donc vous voyez donc le regroupement de les cellules. Vous voyez donc le regroupement de les cellules. Voilà ici, il y a un nombre de les cellules qui sont glandulaires bien sûr, qui se regroupent en amas, un deuxième amas. Troisième amas, c'est les amas en plus ou moins arrondis. On ne peut pas les trouver bien arrondis, mais plus ou moins arrondis. D'accord ? Je passe maintenant à la deuxième zone, c'est la zone fasciculée, bien sûr, qui occupe le médian de la glande. Elle est très épaisse. Maintenant, la disposition des cellules glandulaires se dispose en long cordon. C'est les cordons, c'est deux cônes parallèles. Donc, les cellules qui font des rodillons, ils se disposent hbel qui m'ont dit hbel haka hbel parallèle mtoazien en long cordon, d'accord, huma parallèle entre eux et sont perpendiculaires par rapport à la face de la glande. Puis kounou perpendiculaires hadou les glandes haka kounou perpendiculaires par rapport à la face de la glande ou parallèles entre eux, d'accord. Bien sûr, on trouve les capillaires sanguins, ils sont très abondants et de type fenêtré. Vous avez fait les trois types, t'as les capillaires, continu, fenêtré, discontinu. Là, on dit la surrénale, c'est le type fenêtré qui se trouve au niveau de cette glande. Sont entourés par un fin réseau de fibres de collagène. Les capillaires sont entourés par collagène. À chaque fois, vous trouvez les fibres donc, de la charpente conjonctive. D'accord ? Pour la zone réticulée, c'est la troisième zone. D'accord ? Il y a la plus profonde. D'accord ? Sépare bien sûr la cortico-surrénale, la médulo-surrénale. D'accord ? Elle est peu épaisse. Les cellules glandulaires maintenant à la disposition se disposent en cordon anastomosé. D'accord ? Et bien sûr, je trouve toujours les capillaires. D'accord ? Où les capillaires à ce niveau-là s'élargissent encore. D'accord ? Maintenant, c'est la zone fasciculée. Vous voyez comment il y a la disposition des cellules. Vous voyez en cordon, même là, c'est la même chose. On a dit c'est une image réelle par la coloration de le HO, hématoxylène iosine. On a dit c'est une image donc schématique, c'est tout. Donc vous voyez comment la disposition dans la deuxième couche, donc les cellules sont disposées en cordon parallèle entre eux. D'accord ? C'est la deuxième couche et le schéma de la troisième couche. Ici, vous voyez, c'est la zone réticulée. Donc, vous voyez comment la disposition, les cellules, là, c'est vrai, sont en cordon, mais les cordons sont anastomosés déjà entre eux. Contrairement à la fasciculée, où il y a bien parallèle, donc, c'est clair. Donc, voilà, c'est le schéma. Comme vous voulez, c'est, vous voulez prendre encore les schémas hadou que vous les mettez, s'il vous plaît, le délégué. Vous les mettez, sinon, comme le schéma qui va résumer le tout. D'accord ?
Donc le schéma fait les trois couches bien définies, les cellules là hein, onama, hay onama, là en parallèle, là c'est vrai en cordon mais les cordons dakhlin fi ba'dahom. D'accord? Sont anastomosés, ne sont pas parallèles. Maintenant, on passe l'étude cytologique. قلت علاه j'ai insisté في le cours هذا على l'étude cytologique parce qu'on a assez de cellules. Ou les cellules هذو chaque cellule عندها donc elle va sécréter une hormone bien spécifique. D'accord, chaque cellule. Donc la zone glomérulée, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les cellules toujours en mitose, toujours il y aura une duplication, une donc division تاع هاد لي سيلول هادو et aussi les cellules de grande taille. D'accord? La couche loula hadi, donc hadou c'est les caractères تاع les cellules de la première couche. Donc les cellules externes, les plus externes يجيهم hôtes, c'est prismatique. Ou les cellules internes, les couches, مع الاخر, d'accord, يلقاوهم cubiques, d'accord. Le noyau, هذا le noyau تاع la cellule يلقاوه arrondi, كما كنتو تشوفوا le rose, il est arrondi, il est foncé et nucléolé. À l'intérieur contient donc nucléoles. Le cytoplasme, il est basophile. Le cytoplasme il est basophile et organite, on trouve les organites habituels de la cellule. Il y a presque la totalité des organites habituels à la cellule. C'est-à-dire le RG, l'appareil de Golgi, les ribosomes. En plus, il y a les liposomes. Les liposomes, ce sont donc des gouttelettes de nature lipidique. Allez, il y a la cellule, parce que l'hormone, les rachats sécurités, elle doit avoir la composante lipidique. D'accord? C'est pour cela, en plus les organes habituels à la cellule, on trouve en plus les liposomes, les gouttelettes de lipides qui entrent dans la composition des hormones, d'accord? La couche, la zone glomérulée. La zone fasciculée aussi, donc on va faire la description des cellules à la zone. La zone donc fasciculée, ce sont des cellules aussi volumineuses, mais cette fois-ci, le contour, ils sont polyédriques, donc j'ai arrondi bien. Le cytoplasme d'aspect spumeux, c'est-à-dire les spongiocytes, un cytoplasme, il y a un aspect spumeux, c'est pour cela, on peut la dénomination, la zone les spongiocytes, carrément. Les spongiocytes sécrètent du cortisol, c'est-à-dire les spongiocytes, on a les cellules à la couche, la zone fasciculée. D'accord? Nombreuses vacuoles aussi lipidiques, en plus, les organites habituels, ont des liposomes. Pourquoi? Parce que c'est toujours la composante hormonale à la cellule. Très bien. Donc, le cytoplasme riche en REL, donc le réticulum endoplasmique lisse, très développé, aussi des mitochondries à crête tubulaire. Parce que la production de l'hormone nécessite l'énergie. D'accord? Une énergie importante, c'est pour cela qu'on trouve un nombre de mitochondries important. Et aussi les enclaves lipidiques. Comme on a dit, les enclaves lipidiques entrent dans la composition, dans la formation des hormones, sécrétées par la zone fasciculée. La richesse, les organites habituels, entrent pour la synthèse des stéroïdes. Parce que les hormones, on les classe, mais les hormones stéroïdiens. Les hormones stéroïdiens, toujours qui dit hormones stéroïdiennes, c'est-à-dire la composition a une composante systématique lipidique. D'accord? C'est pour cela, les hommes dans la cellule, la condition que la cellule, elle doit avoir les liposomes, la composante cytoplasme. La zone réticulée, donc on trouve des petites cellules. Les crêtes tubulaires, c'est-à-dire, on dirait un regroupement. Un regroupement, on dirait en tubule. D'accord? Parce qu'il y a un nombre important. D'accord? C'est pour cela qu'il y a tellement le nombre important, l'organisation tubulaire. D'accord? Je suis éparpillée dans le cytoplasme. Donc, pour la zone réticulée, cellules de petite taille. Maintenant, les cellules à la réticulée, qu'on a cellules de petite taille. Le cytoplasme, il est pauvre en organites et en vacuoles lipidiques. Le cytoplasme, il a quelques vacuoles lipidiques, mais il est pauvre par rapport au premier et le deuxième type, les à la zone fasciculée et glomérulée.
Maintenant, je passe à la deuxième glande, à la glande surrénale. L'IHIA, la médulo-surrénale. On a déjà l'origine embryologique, il est différent. Elle vient de l'ectoblaste, très bien. Elle va donc envahir le développement, envahir le cortex l'ouïl, la cortico-surrénale, pour se loger au niveau du centre de la glande. C'est la couche la plus profonde et la plus claire. Quand vous voyez le schéma, lorsqu'on fait la coloration par l'HE, nous avons la grande affinité de la colorante, il y a le cortico-surrénal. Par contre, la médulote est claire par rapport au cortex. D'accord, comprend presque les mêmes éléments que la cortico-surrénale, c'est-à-dire les fibres conjonctives, les capillaires, ainsi de suite. Pour le parenchyme glandulaire maintenant, qui nous trouve l'examen, c'est le parenchyme glandulaire, c'est la médulo-surrénale. Les cellules glandulaires sont disposées en cordon, aussi pour chauffer la disposition de les glandes hadou, ils sont en cordon anastomosé et sans orientation. Hadou les cordons, mais ils ont bien précis, d'accord. Ils connaissent ils ont une orientation anarchiquement. Mouzain had les cordons anastomosés à la médulo-surrénale. Au sein, bien sûr, toujours d'un réseau conjonctif riche en capillaires sanguins. Elle est à chaque fois riche en capillaires sanguins. Chaque couche, chaque. Très bien, parce que c'est une glande endocrine. À chaque fois, goulou, la richesse. Ça aide les capillaires. Les capillaires s'élargissent. Les capillaires sont très abondants. D'accord, ils sont riches en capillaires sanguins. À chaque fois, quand vous trouvez une glande très riche en vaisseau sanguin ou la capillaire, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire que la glande est purement presque endocrine. D'accord, qui nécessite une vascularisation importante. À chaque fois, l'hormone, elle va la déverser dans le sang. À chaque fois, parce qu'il y a des canaux excréteurs. Contrairement à les glandes salivaires qui m'achèteront le digestif, ou là le pancréas, d'accord, les canaux excréteurs, ça y est, le duodénum, la glande salivaire, la même chose, ainsi de suite. Donc, le transport, c'est le sang, c'est l'hormone. La glande, l'hormone, elle va la déverser directement dans le sang. D'accord. L'étude cytologique maintenant. Ce qui concerne l'étude cytologique, c'est la médulo-surrénale, c'est la même chose. On a deux types de cellules, d'accord. Donc, les cellules sont polyhédriques, d'accord. Le noyau est arrondi, c'est les cellules hado, médulaires. Le cytoplasme renforme, outre les enclaves lipidiques, des granules. Dites la cellule hado, en plus, c'est les organites habituels, c'est la cellule. Andha tani les enclaves lipidiques, andha un autre composant qui s'ajoute, qui est très important, qui va caractériser la sécrétion hormonale de la médulo-surrénale. Li huma les granules chromaffines. Had les granules chromaffines spécifiques, had les granules chromaffines huma li trouve la composante de les catécholamines, li hiya l'adrénaline ou la noradrénaline. Lazm, c'est une condition aussi là. Bech la médulo-surrénale tridemli les catécholamines, lazm la cellule tkoun andha l'alarme kamla, d'accord, andha tous les composants, andha en plus les organes habituels normaux, le noyau, l'appareil de Golgi, les mitochondries, andi aussi les enclaves lipidiques parce que les hormones hado tani nécessitent la composante tahom, donc la présence de lipides, et en plus des granules chromaffines spécifiques, nlgaw les granules hado chromaffines. On va faire différentes techniques, voilà, pour mettre en évidence. On a la cellule qu'on dit une coloration spécifique, coloration mais spécifique, pardon, ordinaire, normale. Par exemple, l'HE, la cellule a un noyau, a les organites, elle ne va pas mettre en évidence les granules chromaffines. C'est pour cela qu'on a une technique spécifique, voilà, différentes techniques histologiques, en particulier celles utilisant les sels de chrome. Les amis, nous allons voir si elle a de la cellule. Est-ce qu'elle contient les granules chromaffines ou non? Il faut l'ajout, la coupe, l'ajout à les sels de chrome. Ou est-ce qu'elle a des granules, ça colore, ils ont les sels de chrome ou non?
S'il y a donc une réaction positive, c'est-à-dire que head la cellule, elle fait partie de la médulo surrénale qui va sécréter avec le temps les hormones, les catécholamines, soit adrénaline ou la noradrénaline. Donc en utilisant les selles de Cran pour mettre en évidence le type de head, les cellules médulaires, ont permis de mettre en évidence deux types de cellules. Donc on dit les ragiochromes et l'hyalochrome. D'accord. Donc on dit deux types, on a mis en évidence que la médulaire hadithani a deux types de cellules. C'est vrai, donc elle sait qui de façon générale, où la médulo surrénale, elle va sécréter les catécholamines. D'accord. Ça pour préciser, on dit deux types de cellules, ragiochrome et hyalochrome, on va faire la différence entre les deux. Les cellules ragiochrome, on va des cellules claires. D'accord, qui nous l'étude nous avons des techniques histologiques spécifiques. On va voir des cellules claires. Par contre, les cellules hyalophiles, on a des cellules sombres. L'ouline, ce sont les ragiochromes, sont les cellules claires à noradrénaline. Donc, les ragiochromes, on a les rachines la sécrétion, c'est les noradrénaline. L'hormone est des noradrénaline. Par contre, les cellules sombres, on a les cellules qui vont sécréter l'adrénaline. D'accord. Donc, les grains intracytoplasmiques relativement gros, même les grains spécifiques, les grains chromaffines spécifiques, les grains flaragiochromes, les grains gros, donc je vous montre le schéma. Par contre, les grains de sécrétion sont moins nombreux et moins gros. D'accord? Déjà, hein, voilà. Donc, la différence entre les deux, d'accord? Loula, tchouli, clair, blablabla, pour la coloration, l'autre, tchouli, sombre. Pour les grains, les grains intracytoplasmiques, ils sont gros, les ragiochromes. Deuxième, au contraire, sont moins gros par rapport donc les grains de la cellule ragiochrome. Et aussi, qu'il y a une différence technique, donc le cytoplasme intergranulaire, le cytoplasme qui se trouve entre les grains, d'accord, peu colorable. Je confirme pour distinguer, je connais les ragiochromes. C'est toujours une suite les techniques histologiques hado on peut même classer les cellules hado toujours ouais madame c'est très bien, c'est une très bonne question, voilà. Donc had les cellules ani j'allais dire la fin l'histophysio كنت نحكي لكم على هاد هاد كاين كيما ليبوتالاموس دوك تشوفوا demain avec docteur Ben Hadid. عندنا quelques hormones qui ont l'origine de l'ectoblast. C'est des neurohormones. D'accord? Le travail, c'est toujours transcheminé dans le sang. Un travail va stimuler des récepteurs bien spécifiques, qui ont l'adrénaline et tout. Des récepteurs au niveau du cœur, au niveau. D'accord? Parce qu'ils vont réguler la tension artérielle, le débit cardiaque, ainsi de suite. Donc, il y a des hormones. Les suites de l'origine embryologique, c'est des neurohormones, d'accord. Donc, l'exemple, c'est la noradrénaline et l'adrénaline, d'accord. Parce que nous avons des neurohormones qui nous chauffent l'origine embryologique, c'est à partir d'une, donc, très bien, mais les crêtes neurales, d'accord. Très bien, donc, voilà, c'est des neurohormones. Comme vous allez voir aussi, le thalamus, qui est des neurohormones, vous allez dire que le thalamus, ou alors, il est très bien, la glande la post-hypophyse, d'accord, ou à l'origine c'est des neurohormones, d'accord. Donc voilà, pour distinguer entre les deux types, je vais voir ce qui est la noradrénaline, ce qui était là l'adrénaline. Je vais mettre donc la réaction phéochrome, les gounas suite les selles de chrome. On va utiliser la réaction le cytoplasme intergranulaire, la première cellule, il est peu colorable. Dans ce cas-là, la réaction phéochrome marquée, on a une teinte brune, d'accord. Le cytoplasme va se teinter par la couleur brune. Par contre, cytoplasme intergranulaire, le deuxième type, il est fortement colorable. Il a une coloration, l'affinité au colorant très très forte. C'est une réaction phéochrome, elle est diffuse. Par rapport à l'aura, juste elle est marquée. Il a marqué sa présence,
mais là c'est une réaction fiocrome, elle est diffuse, d'accord. On le voit, le cytoplasme, il est très foncé, il est bien coloré par rapport à... Là c'est pour distinguer entre les deux. On a déjà les cellules claires, les cellules claires, les grains sont gros, la réaction fiocrome est juste marquée. L'autre, le contraire, cellules sombres, les grains donc ils sont moins gros, cytoplasme fortement colorable, ainsi de suite. Là pour faire la distinction, oui. La distinction entre les deux types de la médulo-surrénale. Et donc, les deux types, donc, voilà la différence entre les deux. La première, on a des gros grains. Et la deuxième, les grains petites de taille. Ainsi que la réaction fiochrome pour distinguer entre les deux. Est-ce qu'une cellule radiochrome a noradrénaline ou bien hyalochrome a adrénaline? Ce qui concerne la vascularisation aussi, c'est très importante, surtout les glandes endocrines. On a parce que l'hormone, il est déversé dans le sang. D'accord? C'est pour cela que j'ai insisté le cours à la vascularisation aussi. Donc la vascularisation, qui est une vascule artérielle, veineuse, lymphatique, ou s'il y a une innervation pour cette glande. Donc plusieurs organes pénètrent la capsule. Normalement, j'ai mis un autre schéma. Voilà. Hein? Donc, après la vascularisation, donc la vascularisation artérielle et bien sûr le retour veineux est assuré par donc, la veine surrénale. Ou on dit bien sûr, c'est l'énervation. Aussi, la glande, elle est énervée, surtout, donc voilà, on a une énervation aussi importante. Donc, comme vous voyez, donc, après la vascularisation, donc, elle débute au niveau de la capsule, les artères, donc, plusieurs artères pénètrent la capsule. Là, j'ai mis, là, c'est pour mettre les trois zones, les quatre zones, les trois zones en place. C'est la médullaire, c'est la zone glomérulée, la zone fasciculée et la réticulée plus la médullaire. D'accord. Donc ici, l'artère, elle pénètre à partir de la capsule. D'accord. Donc plusieurs artères pénètrent la capsule. Donc j'ai l'artère surrénale, tutrol. Elle va se subdiviser en plusieurs artères, d'accord? Plusieurs artères pénètrent la capsule, forment un réseau bien sûr sous-capsulaire, le réseau HEDA, juste tête la capsule, sous-capsulaire, d'accord? Et anastomosé donnant deux types de branches. Le réseau HEDA, soit des artères courtes se jettent dans les capillaires de la corticale, soit juste des branches courtes pour assurer la vascularisation de le cortex, ou bien des artères longues qui pour arriver jusqu'à la médullaire, d'accord. Et vascularisés traversent donc la corticale, ils traversent la corticale et arrivent jusqu'où donc les capillaires à la médullaire, d'accord. Tout ça, c'est pour avoir une meilleure vascularisation, d'accord. C'est tous les zones, que ce soit le cortex ou bien arrive à la médullaire, d'accord. Bien sûr, donc... Et voilà le deuxième, l'artère. L'artère, bien sûr, à partir de l'aorte abdominale, qui va donner les branches Saha. La branche Saha, c'est l'artère donc, surrénale. Quand on a deux artères surrénales inférieures, et en tout cas, vous allez faire ça, l'anatomie, beaucoup plus. Inférieure et supérieure, bien sûr, elle assure la vascularisation, le pôle supérieur, la glande, l'autre inférieur, où ça la diffusion, les artères. Quand des branches, on a des courtes branches. Pour assurer la vascularisation du cortex et des longues branches pour aller jusqu'où? Donc jusqu'à la médullaire. D'accord? Aussi, voilà, bon, le cours, j'ai mis Hedabalk en principe, c'est suffisant pour avoir la majorité, la glomérulée, fasciculée, réticulée et la médullaire. Hedabalk, c'est juste pour avoir la vascularisation en général. Les capillaires aussi, où je connais, parmi les trois types de capillaires, on trouve les capillaires, le type dominant, c'est fenêtré. Les capillaires fenêtrés, il y a bien sûr une continuité entre le réseau capillaire de la zone réticulée et celui de la médullaire. Toujours binatron, une continuité. Les capillaires médullaires reçoivent du sang artériel par les artères longues et du sang veineux de la cortico-surrénale. Mais le retour, bien sûr, il est assuré par les veines. Voilà, on a une vascularisation veineuse. La majeure partie du sang cortical emprunte donc le réseau capillaire médullaire avant de gagner la grande donc, veine surrénale centrale et puis assure le retour veineux. C'est juste
un mot sur la vascularisation, tellement c'est une glande endocrine, donc on doit parler de la vascularisation. Les lymphatiques aussi assez développées, forment deux plexus, qui est un sous-capsulaire et l'autre jusqu'à la médullaire aussi. Aussi l'énervation de la cortico-surrénale, on trouve quelques fibres vasomotrices, et la médulo-surrénale, l'énervation très, très développée, comprend des vaisseaux vasomotrices ainsi que des fibres excito-sécrétoires. Donc maintenant, je termine par l'histophysio. L'histophysio, c'est juste pour vous, pour comprendre. Toujours, je fais l'histophysio pour faire la relation entre la structure histologique et l'importance de la glande. D'accord ? Mais tu as dit la structure histologique. D'accord ? Donc, la glande, elle joue un rôle très très important. Dans la cortico-surrénale, chaque zone possède une spécificité fonctionnelle. On a dit la cytologie sur les cellules, parce que chaque cellule, elle va donc produire une hormone bien spécifique ou elle a un effet, bien sûr, des effets sur tout l'organisme. Donc, juste, j'ai encore répété ça, l'association, le RE développé, les mitochondries accrétubulaires, les liposomes, donc en grand nombre, traduit l'implication de les cellules HADI dans l'élaboration de les cellules, l'élaboration de les hormones stéroïdiennes. Parce que toujours la cellule qui produit donc des hormones stéroïdiennes, les MHA aide le bagage, d'accord ? Il y a un réticulum endoplasmique très développé, les mitochondries, un nombre important, on a les vacuolipidiques, ainsi de suite. Et qui passe dans le sang au niveau des capillaires sanguins. Toujours, l'hormone sécrétée passe systématiquement dans les capillaires pour gagner la circulation sanguine. On a bien sûr des récepteurs bien spécifiques qui vont les occuper. La zone glomérulée, donc, elle est responsable de la formation des minéralocorticoïdes. Dans le chef de file, elle a plusieurs hormones minéralocorticoïdes. Le chef de file, c'est tout l'aldostérone. Il entre dans la régulation de la tension artérielle. La zone fasciculée, c'est les glucocorticoïdes. D'accord, c'est le cortisol qui intervient dans les inflammations, dans le métabolisme, ainsi de suite. La zone réticulée, stéroïdes. Donc, elle sécrète les hormones stéroïdiens sexuels. D'accord. Elle sécrète les androgènes ou dihydroépiandrostérone. D'accord. Donc, les deux hormones les plus fréquentes qui vont sécréter par la zone réticulée. Et n'oubliez pas, pour l'ovaire, on va faire le cours de l'ovaire avec moi. Aussi, on va voir l'ovaire aussi. On peut la considérer comme une glande mixte. Très bien, amphicrine. Donc, vous allez voir le cours avec moi. Donc, tu vois, parmi la fonction endocrine de l'ovaire, elle va sécréter aussi des hormones, d'accord ? Aussi, elle va, parmi les hormones aussi sécrétées, ce sont des hormones stéroïdiens sexuelles, d'accord ? Qu'est-ce que j'allais aussi dire ? Donc, dans la médulo-surrénale, les cellules glandulaires élaborent et aussi déversent directement donc leurs produits dans le sang, les catécholamines. Donc on peut classer les deux hormones, les hormones sécrétées par la médulo-surrénale, les neurohormones, par le mot les catécholamines, d'accord. Donc l'adrénaline, les effets de l'adrénaline parmi les effets augmentent la consommation d'oxygène, d'accord. Aussi entre dans la mobilisation du glucose à partir du glycogène, d'accord. S'il y a un manque, donc une hypoglycémie, elle intervient aussi. Augmente le débit cardiaque en cas d'hypotension ou un débit cardiaque bas. La noradrénaline entre dans la régulation de la tension artérielle et aussi elle a une action importante sur le cœur et les vaisseaux en cas de vasodilatation ou bien vasoconstriction, ainsi de suite. Donc voilà un schéma qui résume donc l'action à peu près. On a deux glandes, vous allez faire le cours demain, inchallah, l'hypothalamus et l'hypophyse. Ah. Deux glandes importantes endocriniennes au niveau du cerveau, le cours de demain, l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus et l'hypophyse vont sécréter un nombre important des hormones. Les hormones cheminent dans le sang, où chaque hormone elle va viser un organe bien précis. D'accord ? Là, la TSH, pardon, elle va vers la thyroïde. Donc, pour l'ACTH, comme l'ACTH, elle est sécrétée. Donc, l'hypothalamus, elle va sécréter donc une hormone, la CRF,
qui va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse, elle va sécréter l'ACTH. Donc, l'ACTH qui va stimuler la glande surrénale. Très bien. Comme on a vu, la surrénale est divisée en deux. Cortico-surrénale, il y a les trois zones, et la médulo-surrénale. La cortico-surrénale, laquelle on a besoin des glucocorticoïdes. Donc l'ACTH, il va stimuler la zone glomérulée qui va donner le glucocorticoïde. La zone fasciculée. Si on a besoin d'aldostérone, donc l'ACTH va stimuler head la glande. Et ainsi de la zone, ainsi de suite. Et si on a besoin, les hormones, en cas d'état de choc surtout, on a besoin d'adrénaline, noradrénaline. Donc l'ACTH, Gina, la stimulation, mais l'hypophyse qui va stimuler la surrénale, toujours aide la stimulation venant par des hormones. Des hormones cheminent au niveau du sang, elles ont des récepteurs spécifiques dans la glande surrénale qui obtiennent avec le stimulus. Donc par l'hormone, elle va sécréter donc l'hormone où on a un déficit pour accélérer la sécrétion de l'hormone qui est en manque. En principe, c'est tout ce qu'il y a dans le cours de la surrénale. Je vous remercie pour le cours. Demain, il y aura normalement un cours sur l'axe et un cours anatomique. D'accord ?